Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ce nouvel épisode d'Assassin's Creed Chronicle China. J'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cet épisode d'un petit peu spécial, vous le savez. C'est l'épisode 7.5 je crois. Bref, nous allons terminer le niveau comme nous l'avions déjà fait dans ce let's play. Donc ce sera un épisode sans doute plus court. Nous arrêterons après avoir terminé ce niveau. Donc ça fait un petit bout de temps que je n'y ai pas joué, donc je vais quand même me faire attention. Regardez un petit peu, donc ici il y a des cachettes là que je dois... Oui, ils vont se parler, donc parfaitement, je vais pouvoir déverrouiller cette cachette. Voilà. Voilà ce qui est fait. Il faut que je me rappelle un petit peu des touches, je m'en rappelle pas par cœur quand même. J'utilise aussi pour la toute première fois X-Split pour ce qui est entré de mes... du tournage de mes épisodes de Let's Play. Donc je sais pas si mon micro sera assez fort, la musique sera assez forte, etc. N'hésitez pas à me le dire. J'ai fait des petits tests tout de même avant, mais n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si jamais vous trouvez que ma voix n'est pas assez forte ou quelque chose comme ça. Bon, j'ai caché le corps, donc ça c'est bien. Ouf, je me suis retourné juste à temps. Je croyais pas pouvoir avoir l'espoir. Je sais aussi qu'il y a un petit peu de saturation, mais ça devrait être disparu dans les prochains jours. Là, je suis en train de faire des tests avec mon micro. Je vous rappelle que j'ai un Blue Yeti pour ceux qui ne le sauraient peut-être pas. Voilà. Donc, on a éliminé les deux gardes du bas. Maintenant, nous allons pouvoir nous occuper de ceux qui sont en haut. On va un petit peu regarder la façon qu'ils bougent et tout ça, parce que je veux pas non plus recommencer 40 fois. Donc on va regarder de la fonction qui bouge. Donc j'espère que le son sera assez fort pour tout ce qui est entré avec les... tout ce qui est entré, les cinématiques et tout, si on entend les voix assez fort. Je l'espère du moins. On va juste déverrouiller ça pour peut-être cacher le corps à l'intérieur. Voilà. Donc ça c'est fait. On va pouvoir monter en haut. Pas nécessairement besoin de... Voilà. On va profiter pour cacher le corps parce que j'ai comme l'impression qu'il va pouvoir se faire voir ici. Ne prenons pas de chance inutile. Non, toi tu restes là, ma chère. Voilà. D'accord, il y a un garde ici jusque où il avance. Là est la question. Il avance jusqu'ici. D'accord, il avance à peu près jusqu'au milieu. Faut pas j'oublie cette nouvelle façon là. Non, je peux pas aller ici, non? D'accord. Là, il a appelé les gardes, c'est pas ce que je voulais faire, on était bien parti. Non mais, je veux passer par-dessus toi, elle ne veut pas courir. Elle ne veut pas toujours courir lorsqu'on appuie sur le bouton pour sprinter. Elle a tendance à s'arrêter, je ne sais pas pourquoi. Aïe, je recommence d'ici. On va essayer d'y aller un petit peu plus rapidement cette fois-ci et quand même pas non plus se mettre dans le trouble. Voilà. On va attendre, on va refaire sensiblement la même chose, on va être peut-être un peu plus patient. Bon, cependant, on va essayer d'être plus patient. Donc on cherche toujours notre Zanyong, notre ennemi juré hein, qui poursuit notre maître. Donc on doit avertir notre maître avant que celui-ci ne se fasse tuer. Voilà qui est fait. Voilà, ça c'est fait. Ouf. Il avance jusque où déjà? Je crois qu'il va s'arrêter là, si je me trompe pas. Pas loin. Ah, il va venir enquêter. Il faudrait qu'il vienne assez proche, pardon. Je pourrais le tuer lui aussi ici. Donc ça serait bien. Il va se retourner, mais lui il va juste se pencher pour regarder en bas, vous voyez. Il a disparu.
Voilà. On va monter jusqu'ici, on va attendre. On va attendre patiemment. Non, il n'y avait pas d'autre endroit pour monter, on avait vraiment monté ici. Donc on approche hein, tranquillement de la fin du jeu, je crois que si ça flippe, le let's play fait 11-12 épisodes, eh bien ce sera bien. Voilà, on va cacher le corps au cas où, mais en principe on devrait être correct. Donc, on est de retour ici, donc, ça c'est bien. Il m'a vu cependant. Est-ce que je vais pouvoir le tuer avant qu'il enquête? Voilà, je peux le tuer avant qu'il enquête. Ça c'est bien. Ça c'est bien, je dois avouer. C'est même très très bien. Non mais... En principe, je crois qu'il ne me voit pas étant donné que je ne bouge pas. Ouais, exactement. Ah, il avance pas plus que ça cependant. C'est un petit peu dommage. Voilà. Donc ça c'est fait. Je crois qu'il faut que j'ouvre une sorte de porte. Ça doit être la porte juste en haut. Donc, est-ce que tu veux lâcher? Merci. On va tourner cette manivelle, voilà. On va pouvoir rentrer. Ici. À l'intérieur du toit. Voilà. Ah, on va... Bah, on... Oui, on est plein. Donc pour les pétards, on n'en a pas besoin. Voilà. Donc, on a passé ce niveau. Continuons d'avancer maintenant. Un autre niveau qui semble quand même ardu. Une cinématique. Vous me direz si le son est assez fort. Here she is. Finally. Seagull, I have your precious box. Kill her. D'accord, il a trouvé notre maître. Et il l'a tué, échappé à l'embuscade en vous cachant. On va se cacher. On va y aller quand même du bain. Donc, assassiner les soldats de Zhang Yong. Ah, c'est pas Yang Ming, c'est notre... Oui, c'est notre... Oh, il y a du monde ici, là. Je pourrais en assassiner certains, mais ils sont beaucoup trop collés, là. Et il y a beaucoup de zones de renfort. Je ne sais pas trop comment celui qui regarde en bas réagit. C'est ce qui me fait un peu peur. Donc, j'aime mieux observer un petit peu. Il a l'air de rester comme ça. Ouais, il va rester comme ça, donc c'est parfait. On va pouvoir en assassiner avec toute discrétion, étant donné que lui va rester comme ça. Faut juste pas oublier de cacher les corps. Donc lui, en principe, l'autre va se retourner avant et va partir. Donc ils partent en même temps. Donc ça, c'est un peu dommage. Quand même cacher les corps là pour éviter de se faire prendre. Il m'a vu. On va monter dans le toit. Voilà, ici, il ne me verra pas, il va me mettre en alerte, il va me chercher. Il n'a pas appelé de renfort, ça c'est bien. Voilà. Donc il est toujours en alerte, voilà, il n'est plus en alerte. Il va repasser devant moi parce qu'il va retourner à l'endroit où il faisait ses rondes. Donc ça c'est bien. On va pouvoir l'assassiner à cet endroit, voilà. C'est maintenant fait. Donc on a tué trois guerriers de notre
je sais pas jusque où l'autre arrive, donc on va quand même se dépêcher dans le sens qu'on va le cacher ici. Voilà. On va se dépêcher d'aller cacher le corps. Allez, viens ici, toi. On va te cacher juste ici. On joue bien, là, on joue bien. Je vous rappelle que c'est un épisode 0.5, parce qu'on va finir le niveau. On l'avait pas terminé lors du dernier épisode. D'ailleurs, je pense qu'avec maintenant Fraps, je n'ai pas de temps qui m'affiche combien de temps. Il faudrait vraiment que je m'ouvre le chronomètre maintenant. Il nous resterait qu'un garde à tuer. Et ce serait en bas. Vous voyez, je veux savoir jusqu'où il avance. Il avance quand même jusque là. En principe, on va pouvoir le tuer lorsqu'il se retournera. Il va me chercher. Je voulais l'assassiner discrètement, je n'ai pas réussi. Il va être en alerte, il n'a pas appelé de renfort cependant. Je sais pas. C'est des portes de renfort, mais peut-être qu'ils ne peuvent pas appeler de renfort. Je ne sais pas. Son alerte est terminée. Voilà. Ça c'est fait. Petite cinématique. Sifu, I'm sorry. I was too slow. Malheureusement, notre maître est mort. I could have stopped Zhang Yang. I could have protected the box. What good is it to take revenge if I keep losing those I care for? I could have saved you. Eh bien, c'est là-dessus que ce niveau se terminera, mais c'est aussi là-dessus que ce petit... Cet petit épisode 0.5 se terminera. On continuera l'histoire lors du prochain épisode. On peut collecter davantage de boosts d'élix, donc on a une amélioration. Merci d'avoir regardé cet petit épisode d'Assassin's Creed Chronicle Channel. On se retrouve très bientôt pour la suite. Mon nom est Hypnotic Mark. Portez-vous bien. Ciao, ciao.